Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de combat de monstres d'élite, ou je sais même plus comment on appelle ça. Et là, par contre, c'est une quête secondaire. La recherche avance. Consultez le tableau des contrats d'élite pour trouver un roi bombo. Donc, on va devoir tuer un roi bombo. C'est parti. Alors, la recherche avance. Si tu cherches un roi bombo, il y en a justement un qui a été repéré. Lis son affiche sur le tableau pour savoir où le trouver. Coupeau. Alors, il est où mon petit roi Bombo? C'est du rang B. Du rang B, ça devrait être assez facile. Il est où? C'est dans l'empire de Sangbrek à la Braisière. Et là, c'est Sangbrek. Ok, donc c'est à Sangbrek. Et ils ont dit. C'est pas ça, c'est pas là. Le Fey de la Dragonnière. Ok, donc ça doit être ici quelque part. Donc, allez, on va chercher le Bombo. C'est parti! Ah oui, ils ont parlé au niveau de la forêt de la. Ah, c'est là. La forêt, elle est là. Donc je pense qu'on va trouver sûrement le bombo dans la forêt. Donc là on est au niveau de la forêt. Là je vois qu'il y a un petit passage par là. Est-ce que ça va être là? Domaine de Vénérie. Est-ce qu'il est là notre bombo? Ah la porte est ouverte. La brassière. Je crois que c'est ça. Ils avaient parlé de la brassière. Donc il doit être là notre ami le bombo. Allez c'est parti. Donc on doit emprunter ce petit chemin-là sur la gauche. Regardez, on avance ici, là. Ici, c'est un cul-de-sac, et là, au final, on peut grimper jusqu'à la Braisière. C'est parti, et nous allons affronter le roi Bombo. Alors, est-ce qu'il va être chaud, le roi Bombo? Est-ce qu'il va être chaud? Vous êtes prêts? C'est maintenant. C'est parti. On va l'allumer. Non, il s'est allumé tout seul. Le roi Bombo, cible d'élite, rang B. Allez, on est parti, on est chaud. Enfin, c'est plutôt lui qui est chaud. Ce qui est bien, c'est que les attaques de feu, ça lui fait mal. Elle descend plutôt vite. Ah, par contre, il n'a pas de jauge de choc. Ah, ça, c'est dommage. On peut pas le choquer, le copain. Faut peut-être se dépêcher, du coup. Ok, j'ai réussi à faire un contre parfait. Un bébé bombo, il s'est dupliqué en deux. Il s'est dupliqué en deux. Ok. C'est terminé. J'adore la voix qu'il a quand il fait ça. Il prend cher, hein. Le roi Bombo, il est en train de prendre tellement cher. Mince. Ah, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Ils sont en train de péter là, ils sont tous en train de péter. Allez, on l'achève. Et voilà la petite bille à la fin qui le tue, cible d'élite vaincue. Et ben voilà, maintenant vous savez comment trouver le roi Bombo. Et il est plutôt simple à battre, donc allez-y, foncez, n'attendez pas. Et je récupère un petit cœur de Bombo qui va, je crois, en plus me permettre de faire
l'épée d'Excalibur, une épée assez importante pour la suite du jeu sûrement. Rien que le nom, l'épée du roi Arthur, c'est plutôt intéressant. Allez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je récupère mes cendres pour finir ma quête et je retourne voir. Je dois récupérer 3 cendres de bonbons. Voyons si je peux en trouver davantage. Oui, il y en a partout, ça. Ça, franchement, c'est un petit peu inutile, je trouve, un petit peu dans ce jeu de ramasser 3 trucs qui sont les uns à côté des autres. Ça devrait suffire. Franchement, c'est un truc à se casser le dos pour pas grand-chose. Ok, je vais donner les cendres de bonbons à Owen et la quête sera terminée. Allez, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a été utile. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner et moi je vous dis à bientôt pour un prochain combat de monstres d'élite. Allez, salut tout le monde!